Grande vedette de la revue Crazy 86, et puis Crazy 86, c'est Otto Wessely. Otto Wessely, c'est une star mondiale, il est autrichien, je l'ai rencontré au Canada l'année dernière, et il est venu spécialement, il est au Crazy ce soir, mais il a trouvé une demi-heure pour nous présenter un de ses numéros. Voici un magicien autrichien tout à fait exceptionnel, Otto Wessely. Rouge, car c'est une grande vedette. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour qui vous êtes infirmés, mesdames et messieurs, ce soir, c'est une chance ici et les émotions de voir ici. Merci.
Otto Wessely. Oh, bien. Ah. Merci. Merci pour m'en prendre à tenir en France. C'est vrai. Allez, presque. On peut plus de son. Alors, les sons, ils marchent. Ah, ben, je suis très content d'être là. C'est une façon de dire, mais je suis vraiment très content d'être là. Et autant plus, je n'ai rien à vendre. Oui, ben merci, c'est un bon début que vous faites. C'est la première grande télévision d'Otto Wessely en France, qui est une star mondiale. Il est autrichien, merci. Il est au Crazy Epigrécy 86. Merci beaucoup. Vous pouvez pas m'apprendre quelque chose avant de partir? Ah oui, il y a plein de choses qui me tiennent au cœur. Les restaurants de cœur, c'est super. Je mange encore ce midi, c'est très bon. La semaine prochaine, je ne mange plus parce que je vais toucher mon cachet. Mais d'autres choses aussi. Il y a une chose qui me tient en cœur, les Beaujolais Nouveaux, mais ce n'est pas la saison. Oui. Et une autre chose, c'est le spectacle en Chine. Et je crois que c'est le moment venu, entre les échanges culturels en France et la Chine, de vous présenter une coproduction, Michel Drucker, Otto Wessely, La magie en Chine. Oui. Christa, amène le costume chinois, s'il te plaît. C'est le costume chinois, ça. Mais on met ça où? C'est très Jerry Lewis, ça. Otto Wessely. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je vais devenir sérieux. On termine l'émission avec celui qui l'avait commencé. L'an 2001,